Bonjour YouTube. Bienvenue sur une petite partie d'Isaac. Nous devons jouer aujourd'hui Tented Isaac direction The Beast. C'est la route choisie aujourd'hui qui nous permettra de débloquer Glitched Crown. Tu sais, l'objet qui clignote super vite pour avoir plein d'objets, mais j'arrive pas à utiliser parce que ça clignote trop vite. Donc vraiment, c'est bien. C'est parfait. Donc Tented Isaac, petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, on vient juste de commencer, donc faut que je rappelle. Le perso ne peut avoir que 8 objets sur lui, comme l'indique l'espèce de petit truc sous ses cœurs, du coup il va falloir faire un choix. À partir du moment où on aura plus de 8 items, ce qui va arriver vite, hein, parce que ce perso est assez facile. Donc objectif The Beast. Vu qu'on fait The Beast, on fait la remontée, donc on va partir sur un planétarium. Ne pas prendre d'objets d'item room pour Planeto, puis voilà. Le must serait aussi d'aller en étage alternatif pour avoir double item, puisque pendant la remontée, on voit les items point d'interrogation. C'est facile, c'est ça, c'est facile. C'est facile. Le big must serait d'avoir le... Comment ça s'appelle? Le Birthright, qui me permettra d'avoir 12 objets. Et le Elon Musk, alors là, j'ose même pas vous en parler tellement... pouf! Super! Super. Belle salle secrète, en tout cas. Ce début de stream est incroyable. On est à présentement 3 milliards de viewers. Alors ça... Ah voilà, faites votre truc. Ça prendra le temps que ça prendra. Une run rapide. Une run rapide, je dois pas déco trop tôt, trop tard. Et en plus, elle est très sympathique. Elle est très distinguée. Elle est très sympathique. Elle est très distinguée. Elle est très sympathique. On va dire Jean-François. Dans le cul, en fait. Alors, le truc là, on a dit étage alternatif, mais prendre le premier étage alternatif ne sert à rien, en vérité. Donc, cette strat est très bonne, mais attention, attention, il faut plutôt y aller dans le deuxième, parce que dans la remontée, enfin bref. Voilà. C'est clair, non? Vous le saviez déjà, de toute façon. En termes de run longue, j'ai fait Bloody Mary en 5 heures. Comment ça se fait 5 heures? Lampe verte, expert dans les chiffres. On l'a bien vu. Avec l'item qui régène à demi-cœur. Putain, quel enfer. J'ai oublié le placenta. Eh oui, le placenta. Le placenta et le devil deal. Ouais, 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 ouais.
Que des lettres. Ni 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 ni. Je me calme, vous en faites pas, je me calme, je suis très calme. Ouah! Très très calme. Je l'ai vu venir cette blague lampe verte, je l'ai vu venir. Je l'ai bien vu venir parce que la lumière était allumée. Grâce à cette lampe... Bref, ouais, je sais pas. Non, mais j'ai annulé. Je la sentais pas. Je la sentais pas. Sérieusement, putain, c'est très grave. This is very grave. Tous les voyants étaient au vert, se barrent en courant. En courant. Le courant. Je suis dans le regret de vous annoncer que je m'en vais. Des bisous, Swaziland. Je vous préviens, Ah non, c'est pas... Ah, je suis en train de paniquer. Mais je vous préviens en tout cas, ça c'est sûr. Panique, dommage. Bah Ace. D'après votre lore, a priori, panique, Osef en fait. Et voilà. C'est vrai. Désolé d'avoir parlé de ça. Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? J'ai oublié. Ouais, je vous préviens, je recommence pas là. Là, c'est la DR, rien à foutre. Je meurs dans 2 minutes, c'est fini. Rideau. Je fasse de fou, mais moi aussi, je suis fatigué. Pourquoi j'ai lancé ça là? J'aurais pas dû. Oh, le planétarium est là! Attendez, attendez. What's the gag? Tout ça pour avoir Mars. Mais c'est pas possible ça! Le planétarium qui va clignoter entre Mars et Jupiter. Oh, ok, il y a le choix en tout cas. On prend les larmes de glace. On prend your anus. Voilà. Voilà. Non, j'aime bien les larmes de glace, moi.
Alors que... Bah tu sais quoi? Ah mais non, c'est pas ce que je voulais! C'est pas grave, je l'enlèverai après. Je l'enlèverai. C'est pas si grave. C'est pas si grave, je vous assure, je l'enlèverai plus tard. Ah bah Rock Bottom, oui a priori c'est un bon item. Hein. Quel enfer. De toute façon Rock Bottom, c'est toujours bien. Ouais, ciao. Teto, where is it? Quoi? Oh là là. Zeto Verizé. Zeto, je comprends pas. Voilà comme ça. Ouais, mais oui, mais j'ai pris un dégât. Bon, j'espère que vous passez quand même un bon moment. N'hésitez pas à le dire, comme ça, ça me fait un petit... J'ai besoin de reconnaissance, de confirmation, en fait. Oh ! Parce que j'ai un ego très fragile. C'est très bien, merci. Merci, Sky. Je passe un moment. Ah. Ok. Je suis ici contre ma volonté. Non mais des fois, on se rend pas compte, mais on reste sur le stream, mais en vrai, bon... On vous aide un peu, quoi. Perdu de la vitesse, j'ai gagné en dégâts et c'est ma deuxième picouze, une troisième picouze et nous aurons une transformation très sympathique pour avoir des dégâts très sympathiques. Je vous écoute, tout va bien. Merci beaucoup. Je suis à moitié ironique hein, quand je vous dis que j'ai besoin de confirmation. Bah c'est parce que Lampe Verte a dit qu'on était 175 et du coup je me dis, oh mon dieu, c'est pas beaucoup, voilà, c'est pas beaucoup, si, et voilà.
Depuis que t'as balancé les chiffres, c'est plus pareil, quoi. Presque aussi sympathique que ton stream. C'est faux, on est 3 milliards. J'ai paniqué, j'ai regardé la... notre faute. Non, non, non. Mais ce n'est jamais votre faute. Et ça, c'est dans votre tête. Hein. Ça, c'est dans votre tête. À chaque fois. À chaque fois, vous dites ça, alors que je le dis jamais que c'est votre faute. Bien sûr, tu l'as jamais dit. Je l'ai peut-être dit. Lui maltraité. Arrêtez, je culpabilise quand vous dites ça. Et là, dans la salle d'items, pyromaniaque. Et là, d'un coup, tout change. J'arrive pas à claquer des doigts. Ah, ça y est. Ils sont juste méchants. Si tu me belies encore, je dévoile le nouveau nombre de viewers. Je fonctionne pas aux menaces. Je fonctionne pas aux menaces. Mais si tu donnes le nombre de viewers, je te banne. Mais c'est pas une menace, hein. J'ai pas un million d'items pour régénérer mes cœurs rouges, là. Bon, par un million, je veux dire 3. Deux. Ah, j'ai le trinket aussi. Beau pyromaniaque en tout cas. Une crotte au congèle. Crotte au congèle. 1 million égale 3. 1% c'est 100%. Ce ne sont pas des menaces. Je fais la leçon à mon neveu. S'il reparle, coupe-lui la tête. Vous voyez la différence? What the fuck? J'ai pas la ref. Du coup, c'est très étrange. Pas de jambon. Va dans la salle suivante. J'ai des gaz. Je pète un maximum. Comme l'autre jour, là, le gars qui est passé. Mais elle est où la salle secrète, mon dieu? T'as pété? Bah,
je me dis que j'aime bien quand même avoir plein d'objets de régène, mais c'est vrai que le truc de mammouth, c'est bien. Tu m'étonnes, si elle bouffe des morts, elle doit faire des sacrés... Non mais t'as raison, je vais le prendre. Mais ouais, l'autre jour, il y a un mec qui est passé et son premier message dans le chat, c'était... T'as pété ? J'ai entendu. Voilà. Objectif The Beast. Non, non, mais t'as raison, je vais le prendre. Ah non, mais elle est là-haut. Trois petites pièces là. 23% de chance. Bah ouais, je suis d'accord. No, no king shame. Mais arriver dans le chat et dire ça, je ne sais pas. J'émets quand même quelques réserves. Donne-moi un cœur bleu. 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 La machine n'est pas chaude. Oh. Non mais c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. J'abandonne. Ras le huc, exactement. Ace, du calme là. Tu peux pas écrire ça dans un chat, même pour une blague. Et allez! Non mais c'est triste à dire que c'est Tower qui fait le taf. Mais j'ai encore espoir. Espoir d'avoir une troisième picouse, d'avoir une Angel Room. Et c'est y part. Hein. En vrai, j'ai pas abandonné. Dans le fond, j'ai pas abandonné. Mais très loin au fond quand même. Hein. Ah, je vis d'espoir. Jambon, pas de jambon.
Mais tu nous roules dessus. Ah, les bons items, hein. Ouh là là. Bon. Est-ce que j'enlève... Franchement, j'ai même pas envie d'enlever Tower, quoi. J'ai même pas envie d'enlever Tower. Oh là là. Non mais... C'est trop grave. Chance diminuée. Ok, elle est bon mais elle qui s'inverse. Oh ça va. Je crois que j'ai plus de vie que quand je suis rentré. ...36%, hein. ...36% dans le gel room, hein. Débit augmenté. Bleu arg. Ok. Oh la mama méga. J'en ferai pas grand chose là, mais on peut avoir un étage sympa. Franchement, j'ai envie de l'acheter juste pour... Parce que j'en peux plus, quoi. J'ai même pas les sous, en fait. Si, c'est bon. Je la claque à l'étage suivant, là. Vous allez pas voir, mais moi je vois. Il y a R. En vrai, ça va. Pointe. Regarde ça, en plus le cœur bleu qui revient là. Allez. C'est pas ouf. Oh, c'est, franchement, par rapport à tout ce qu'on avait, c'est bien. Surtout qu'à chaque fois que je prends des Angel Room, moi, je tombe sur de la merde. Donc franchement, ça va. C'est bon là, ça décolle, ça décolle. Ça décolle. Je sais pas, en vrai, je prends le... Mais si. Ça me donne plus rien non plus, là, le prix de consolation. Y'a rien qui donne rien.
Oh, pas de jambon là qui dit oh, pour la quatrième. C'est bon, oh là là. En vrai, maintenant qu'on en est là, finalement, on prendrait pas ma Maméga pour l'étage suivant? Pour peut-être... Ah mais non, c'est ici. Ah non, j'ai rien dit. Non, tout va bien, j'ai cru qu'on était... Tout va bien, arrêtez de l'écrire, tout va bien. Effacez votre message. Tout va bien. Oh là là, voilà, c'est comme ça qu'on veut faire les étages, nous. C'est plus sympa, là. Il me semblait bien qu'il y avait un... Il y avait une couille. Faudra choisir, ouais, entre l'Angel... Bah, ouf, on sait rien, en vrai, on va plutôt aller en Angel, non. Rune Vierge. Salut, Froggini. J'arrive sur une couille, le plaisir. Bite en bois pour la carte. Oui, oui, oui. Ça, c'est ok. Mais bite en bois, c'est vrai. Quel plaisir. On a bien fait de venir ici, en tout cas. J'ai pas laissé un cœur bleu? Oh putain, ça TP. Oh là là, c'est terrible ça, je vais me faire TP sur le boss. C'est pas exceptionnel, quand même. Est-ce que... Ah non, mais le boss rush... Oui, on peut le faire. Après, si on a le... Ça va être super long. Ça fait des bombes de glace. Apparemment, oui. Oh, je touche pas à cette merde, moi. J'arrive à prendre des dégâts, je me saoule. Aïe! Donc, théoriquement, le boss rush, c'est pas prévu, à la base. Merde. On va emmener l'âme d'Eden. Ben franchement... L'unlock de boss rush est trop bien. Ah ben ça unlock rien le boss rush là.
Avec lui, là, c'est Boss Rush Hush, vu que c'est un Tented. Oui, mais c'est quand même trop bien. Bah, c'est vrai que l'âme de Isaac, on aime bien, mais... Bon, bah, on n'a pas un build de fou pour l'instant, hein. Ça a fait un bruit de perdu là. Le D4. Est-ce qu'on veut vraiment faire le D4? Bof. On va attendre de faire la remontée. On verra ce qu'il y a dans le point d'interrogation. C'est pas un 1 ça? Ah non, mais c'est particulier leur truc là. Effectivement, c'est un 1, mais ça fait un effet de D4. C'est tout un délire leur truc. Heureusement que dans le shop, il y a le Birthright. Salut Rupax Dogo. On a des sous. Oh putain, je déteste ça. Même Meat Boy, il sert à rien sur The Beast. C'est nul! On aime bien Meat Boy, mais ouais, mais il sert à rien, là. Il va foncer dans la lave, et à part faire un steak grillé... Mais la map bleue speed down, c'est le 20 sur 20. Ouais. Bon.
Qu'est-ce que je fais de mon âme? Je la vends au diable? Je l'utilise en salle secrète? Je l'utilise en salle de boss? En salle secrète, ça va être une merde. Hein. En général, à chaque fois que je fais là-bas, c'est de la merde. Mais vous voulez la secrète. Au diable? Au diable. Mais on n'a pas de diable. Je peux pas rentrer dans la challenge là. Mais non. Il fait quoi l'objet? Il va créer deux objets selon l'endroit où je me trouve. Secret parce que tu vas avoir quatre choix. Pourquoi que j'aurais quatre choix dans la... Ah, vu que ça clignote. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, hop! On va prendre le champi pour avoir un peu de dégâts. Encore un 2 de cœur, c'est original. Perdu. Mais je crois pas que ça marchera à home parce qu'il faut avoir débloqué machin chose. Inner Friends, il est pas débloqué là. Il y a un cœur bleu à récup. Sinon, je vais dans la salle du D4 là. Et tu vas voir. Tu vas voir. Ben on l'a bien vu en tout cas. Est-ce qu'il peut y avoir des ultra secrètes dans la remontée? Putain. Non. Vraiment, vraiment trop bien la clé rouge. Trop bien! Oh putain, c'est ici qu'il fallait le prendre! Waouh! Il peut y avoir des salles spéciales. Oui, c'est vrai qu'on peut quand même avoir... Ah! Une picouse avec des dégâts! Attendez! Attendez!
Après, il y a Atamé aussi, hein. On part sur la picouse. Experimental pill. On est parti sur la picouse. Je pense que dans l'item room c'est Red Key. Merde. Putain, la clé chargée là. Dis donc, j'ai pas l'impression de me faire arnaquer, en tout cas, ça c'est bien. IP cac. Ça pue. Mais en même temps, j'ai quand même déjà machin chose. C'est OP as fuck, IPK plus Docteur Fœtus. Ah. Ah. Alors attendez. Alors attendez. Ça va pas faire grand chose au niveau des dégâts. T'es immunisé. Quoi ? Oh my god ! Ah, y'a un familier ? Je m'en fous du familier ! Oh my god ! Ah, ça change tout là, ça change tout. C'est win. Je sais pas, mais... Ça change tout en tout cas. Comment ça t'es ému? Eh ben apparemment, IP cac plus Docteur Fœtus. Eh ben c'est bien. Apparemment, c'est bien. J'avais pas laissé une carte. Voilà. Ah bah, s'il y avait les explosions qui heal, ce serait le feu, mais du coup, c'est... voilà. Mais là, on va faire du dégât avec les bombes... Par contre, c'est vrai que ça m'a pas fait le plus 14... le plus 40 de dégâts de IPCAC. Eh. Finalement... Ça m'a pas enlevé de debuff, hein, d'avoir enlevé une picouse. Ah, tu penses que ça va peut-être me faire des dégâts Ah bah ça marche pas, la clé rouge, ici. Tu vas où? Tout en bas là? Ouais, ça me fait chier maintenant que j'ai des cœurs gris de... Ah,
Ah! Ah! T'aurais dit au-dessus de la salle de dés? Bon, on a bien fait de tester, vous aviez raison. J'ai rien pour recharger mes items. À moins qu'acheter la grosse pile recharge un coup l'item. Je sais plus. Ça recharge ça ou pas? Pas du tout. Ah bah oui, il y a le décalage, pas de jambon, hein, il y a pas de... Il faut aller vite, hein, faut faire fi ça avec les explications. Hein. Non, mais je peux continuer, là. Je suis allé vite. Et oui, et c'est pour ça que c'est ainsi que voilà. Vas-y, ça me saoule d'optimiser, là, je me tire. I spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? Qu'est-ce qu'on fait, là? Tous les savings. Parce que j'ai un familier qui sert un peu à rien quand même. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît là? Parasitoïde, c'est quoi? C'est les... Ah non mais encore, les araignées, elles vont foncer dans la lave. Mais la médaille, elle a déjà été utilisée. Ah là, il y a 0% de chance que ça marche deux fois la médaille. Ça vaut le coup de prendre ça? Oh putain, j'avais pas vu qu'il était encore en vie lui. Voilà ces explosions! On revient de loin avec ce truc, hein. C'était rude. Ah, les petites araignées. Salut, King. Juste pour être sûr, vous n'êtes pas pyromaniaque. Non. Non, non, non. Ah, tu veux dire en vrai? Ça, je sais pas. Thank you.
c'est déjà bien qu'on ait pas les dégâts. Hein. Ça se trouve, il est dans une salle d'items là. Hein. Ouais, si on veut se faire chier, on peut chercher les échelles de cordes qui sont pas en cordes. Mais j'en ai un peu ras le cul. C'est-à-dire que mon cul a une capacité. Bah on est rat. Tu vois? Rat. Bah c'est ça que ça veut dire, en avoir ras le cul, non? Ça voudrait dire quoi d'autre? Ra, mama, Lady Gaga Gougou. Ça y est, je prends les dégâts. Sky, ça t'a réveillé, ça. J'ai laissé des champignons ou pas? Tu me dis de les casser, mais... Ah oui. C'est très grave les dégâts là, j'en ai marre. J'ai tellement l'habitude que les bombes me fassent des dégâts que je fais quand même attention à chaque fois. Pray with us, Isaac. Oh, oh! Un 2 de cœur. Ça va, vous en avez pas marre? Oh! Pardon. Bah oui, mais j'ai plus, c'est fini là. Tu comprends? Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de... Il y a une ou deux item room en haut, c'est vrai. Nick. Je le prends quand même. Y'a rien d'exceptionnel à part ça. Hein. Y'a rien qui va m'aider de fou là. Tiens. Après, les bombes de sang là. C'est toujours un combo de plus. Hein. Qui va pas servir sur The Beast, sur Dogma à la limite, mais c'est tout. Bah, le point d'interrogation, c'est pas mal, mais à ce niveau-là de la run, c'était pas... Je crois que ça marche sur The Beast. Ah, tu penses que ça va faire des taches de sang qui volent ?
toujours aussi tanky, lui. Hein. Des taches de sang volantes. Attention les yeux! Ma foi. Le porte-bonheur. C'est qui sub là? Merci Ben. Merci beaucoup. Par contre, je sais plus où est-ce qu'on remonte. Ah, ici. Merci pour ce cinquième mois. We need you. Moi aussi j'ai faim là. Merci Samchi. Eh, bientôt 2 ans Samchi. Enfin, 2 ans de sub. Mais combien de... à me suivre. Bientôt 11. Ah ah. Ça coûte cher de cœur quand même là. Anzus. Qui est vivant là? Garde une charge pour Home. Je maintiens que ça servira pas. Hein. Je maintiens. J'arrive pas à réfléchir. Du coup, je vais prendre les bombes spectrales qui donnent un petit peu de débit. Merde! Oh, j'ai oublié. Attends, je peux recharger, peut-être.
Mais je vais perdre mon cœur blanc avec ces histoires. C'est pour toi le jambon. C'est pour toi le jambon. Ah bah non. Pas de jambon, finalement. Ha ! Merde ! J'en ai marre. J'enlève la mouche. Ouvrez. Attends, le dors pas. Je ne dors pas. Bombe le canapé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Plusieurs fois. Mais tu te fous de notre gueule ? Ça bombe tout ce que ça peut, là. C'est un mode. C'est Paul Trone et Sofa. Et voilà. Artisan de la calette. C'était dans un mode. Ça faisait quoi? C'était super, en tout cas. Moi, je trouve que le sol serait bien mieux en rouge. Il y avait une chance de faire spawn des cœurs bleus. D'accord. Ok. Eh ben, j'ai pas le mode comme ça. Moi j'étais sur le point de dire « What ? Mais c'est quoi ce secret ? Personne connaissait là ?» On était tous... On était tous sur le point de... Bref. C'est pas grave. On allait péter notre crâne. Merci Rafafou. C'est quand même pas mal. On est quand même bien. Un build quand même unexpected. Hein. Yeah.
chiant quand même. Ouais, c'est chiant quand même. En fait, ce serait bien de toucher. Merci. Les bombes auto-guidées, ouais. Bref. Mes bombes qui partent n'importe où. C'est bon. C'est la fin de cette petite run. Vraiment, c'est... Ce sera une formalité, le sang plus couche de la Marilla. C'était rude, mais ça s'est bien passé quand même. Enfin, ça Run en général était bien. Mais pour en arriver là, on a mis du temps. J'ai pris les cacas rouges! Salut Bibou! Vous arrivez à la fin tout de même. J'ai jamais été sûr, mais quand il se prend des stalactites, il prend des dégâts, The Beast? Je crois pas, non. Dildo XXL, s'il vous plaît. Je crois pas. Il me semble avoir vu une vidéo, je sais pas quoi, de la dernière phase, où la personne ne faisait rien du tout, et ça finissait pas le combat. Donc je crois pas. His shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became... Bon, par contre, la cinématique va être super. He saw his one... La couronne corrompue. Phew. 234. Ouais, la couronne, trop bien. Vous allez voir, on va tomber dessus, puis j'arriverai jamais à choper l'objet que je veux. Vous allez voir si c'est trop bien. C'est quoi les secrets d'Isaac ? C'est les achievements, tout simplement. C'est les objectifs à chaque fois. Chaque objectif représente un secret. Et on a 637 pour faire le 100%. YouTube, je t'embrasse, on n'en peut plus, là. Bon, toi, ça va, t'as eu une heure, t'as eu une run classique. Mais avant ça, c'était rude. Des bisous, et qu'est-ce que tu veux, attends.
Qu'est-ce qu'on fait la prochaine J'adore fois rire. Non, on fait pas ça du tout, c'est pas ça. Voilà. La prochaine fois... Donc là, on a fait The Beast Tented Isaac pour Glitched Crown. Prochaine fois, c'est Boss Rush Hush Delirium. Bah, tu vois, on en parlait. Soul of Isaac, Spin Down Dice. On a parlé dans une des runs, bah c'était celle-ci, hein, de faire le boss rush. Donc voilà, bah c'est la prochaine fois, en fait. Donc finalement, à bientôt.